Coucou les petits clous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc cette fois-ci, ça va être gagné en Bedwars 4v4. Donc c'est plus simple, plus rapide et vous n'avez pas forcément besoin d'être entre potes pour y arriver. Donc 4v4, c'est surtout pour farm les kills, les beds. Mais pour farm les beds, il y a aussi le 1v1 qui est beaucoup mieux si vous êtes fort. Mais sinon, là, vous avez une équipe qui peut vous aider. Là, je fais ce tuto parce que bah, je me suis entraîné juste avant faire du 4v4 et du coup, bah, là, j'ai envie de le faire. Donc voilà. Donc tout d'abord, vous allez juste vous acheter de la laine. Donc un stack de laine. Bon, là, le PNJ ne marche pas. Donc dès que vous les avez, vous mettez à rush. Donc pour rush, il faut savoir sneak des sneaks. Donc sneak des sneaks, je ferai un petit tuto aussi pareil pour apprendre toutes les techniques pour aller vite. Moi, c'est sneak des sneaks que je fais mieux. Là, j'y arrive pas trop. Et sinon, il y en a 2-3 qui sont un peu plus rapides que j'arrive à peu près à faire. Mais il y en a qui sont très très rapide. Donc premièrement, en game de 4v4, il faut vous allez au mid. Si personne n'a fait la défense en revenant, vous mettez bah, comme ça de la laine. En passant sur les côtés, chaque fois que vous passez, vous en posez un peu autour du lit. Et donc vous allez vous acheter une potion d'invisibilité pour pouvoir aller rush plus facilement l'adversaire. Ça ne marche pas du tout à tous les coups et il faut faire gaffe. Mais en gros, vous allez vous en acheter une dans la game, si ça passe pas, vous allez continuer à rush normal. Donc en 4v4, vous êtes aussi tombé pas mal sur des cheaters et bah, des gens qui sont plutôt forts au PVP. Donc c'est pour ça que je préfère le 3v3, hein, j'ai toujours dit. Donc là voilà, là j'ai mon invis. Donc j'ai déjà expliqué comment marcher une invis dans mon autre vidéo, comment gagner du Bedwars 3v3v3v3. Donc. Oula, le mec il l'a eu, hop c'est bon. Donc vous vous mettez au mid, vous vous planquez quelque part, histoire que personne ne vous voit la boire. Hop. Et hop là, vous y allez. Donc là, c'est parti. Je rappelle, comptez les secondes dans ma tête. Moi, on voit, j'ai un petit effet avec Badion Client. Et surtout, un truc que j'ai complètement oublié de faire. Et puis, en fait, c'est pour ça que c'est toujours mieux d'être avec des potes quand vous jouez en Bedwars. Bah, ils peuvent vous aider quand vous êtes en Vogue, etc. Vous pouvez communiquer. Là, j'avais personne pour m'aider à poser les blocs avant moi sans que moi je me fasse repérer. Du coup, ils m'ont vu avec ma cisa, ils ont vu péter les blocs et ils savaient que j'étais là. Donc là maintenant ça sert à rien de reprendre une invis. Ça va pas vous aider. Oula, qu'est-ce qu'ils font en bas? Je vais essayer d'aller les aider. Bah oui, qu'est-ce que tu fais toi? Oh là là. Une fois que vous mettez à rush comme ça, il faut juste vous entraîner à bien combo les gens, bien PVP. Hop là, j'ai plus de vie. Ouais, je pense que je vais pas y arriver. Hop, et de 1. Et de 2. Et de 3. Et ouais, bah, je suis mort. Hop, c'est reparti. Donc maintenant que vous êtes là, vous achetez une épée en fer, vous prenez tout votre or, toutes vos ressources et vous allez rejeter ça. Bon, là, j'ai mes alliés qui sont venus m'aider, mais bon. Donc voilà, c'est comme ça en gros que se déroule une game de 4v4. Donc merci d'avoir regardé et pensé. N'oubliez pas de liker la vidéo.